Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Dans un rapport sur les médias pour la démocratie de mai 2019, l'UNESCO estime que l'apport d'un journalisme libre, pluraliste, indépendant et sûr fait face à des pressions sans précédent. Dans de nombreuses sociétés, la confiance placée par le passé dans les partis politiques et dans les médias est en train de s'éroder. Cela s'accompagne le plus souvent d'un discours politique polarisant, menant à la fois à la tenue d'élections pacifiques et la liberté de la presse. Dans cet entretien, nous parlerons de l'indépendance des médias comme facteur de démocratie et de développement. Et nous en parlerons avec un journaliste, les journalistes reporters depuis maintenant 17 ans. Bienvenue, Danki Danki. Merci beaucoup. Vous êtes également le président de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de la commune de Yopougon. Tout à fait. C'est un plaisir de discuter avec un confrère sur ce plateau, sur les questions qui relèvent donc de l'indépendance des médias. Alors, quelles sont les caractéristiques ou indicateurs quand on parle de médias indépendants? Merci, Romain. D'abord, j'aimerais rapidement préciser que c'est surtout en tant que journaliste, oui, reporter, un homme de terrain, que j'interviens, pas en tant qu'un grand expert du domaine du journalisme. Ok. La difficulté qu'on a, c'est de pouvoir relater les faits dans leur exactitude matérielle. Je demanderai pourquoi. Ah, sans crainte, ok. Sans crainte, sans cadeau en retour. Oui. Il y a un accident, il y a 10 morts. Il faut qu'on puisse dire qu'il y a 10 morts, oui, sans craindre qu'une certaine autorité vienne dire non, écoute, pourquoi tu as dit il y a 10 morts. Ça pourrait alarmer. Vous voyez, parce que dire qu'il y a 10 morts, ça suppose qu'on n'a pas suffisamment réglementé la circulation, ça nous pose problème. Donc un média indépendant, c'est un média qui relate les faits, qui a le courage ou qui peut relater les faits dans leur exactitude sans crainte. Voici un média indépendant. Évidemment, les opinions vont venir après, mais même relater les faits tels quels, ce n'est pas toujours évident. Alors, l'autre question, c'est de savoir, les médias travaillent pour qui? D'abord, quand on parle de médias, un homme d'affaires peut créer sa télévision, sa radio, mais à l'intérieur, c'est des hommes de médias, des journalistes qui travaillent dedans. Alors quand tu ramènes l'information, tu diffuses dans son média. Et justement, lui, il peut dire telle information, je ne dis pas que c'est l'information est fausse, mais là, moi, je ne peux pas diffuser. Et il a ce droit aussi. Oui. Donc, ça m'amène à poser l'autre problème auquel nous sommes confrontés. Le média appartient à qui? Quand tu es dans un média qui appartient au pouvoir et que tu as un dossier dans lequel un dossier de corruption qui implique des hommes de pouvoir, est-ce que dans ce cas d'espèce, tu peux diffuser l'information? Du moins, tu veux bien diffuser, mais est-ce qu'on peut t'autoriser à diffuser l'information? Voici. C'est justement pour contrainte, par exemple. C'est justement pourquoi je posais la question de savoir, mais on travaille pour qui? C'est pour la population. Comment vaincre toutes ces contraintes pour servir à la population? Ce dont elle a droit. Très bien. Ta question me ramène un peu au discours de l'ambassadeur des États-Unis le 3 mai dernier à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Il a dit, l'ambassadeur a demandé, par exemple, que nos États acceptent de permettre que la presse soit libre. C'est important. Accepter. Parce qu'ils ont les leviers, ils ont les moyens de faire mal travailler à la presse. Parce qu'il ne faut pas grand-chose pour intimider un journaliste, hein, il ne faut pas grand-chose. La police, la gendarmerie, il ne faut pas grand-chose. Donc quand l'État met le journaliste à l'aise, quand on te permet de relater les faits, je ne dis pas des injures, des opinions parfois agressives, mais quand on te permet, on t'autorise à relater les faits. De façon professionnelle. De façon professionnelle, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais là, c'est un défi. Je donne un exemple malheureux. Quand il y a eu les attentats ici en Côte d'Ivoire, à Bassam, mais ça a commencé une certaine heure, oui, dans le matin, mais il aurait fallu attendre jusqu'à à l'après-midi pour être au courant. Or, le citoyen a besoin de la bonne information au bon moment pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais pourquoi tout ce temps? Et là, ça crée toute une polémique. Ça crée toute une polémique, on tergiverse. Or, pendant
que l'attentat se faisait, des Ivoiriens pouvaient prendre sur la décision d'aller à ce lieu de plaisance pour passer un bon moment. Mais s'ils savaient qu'au moment précis, l'attentat se déroulait, ils vont renoncer à ce projet. Justement. Donc, c'est un peu la difficulté que nous avons, le fait de pouvoir relater les faits. D'accord, très bien. La plupart de nos pays de la sous-région sont à démocratie, en transition démocratique. Comment est-ce que les médias peuvent être des partenaires au développement? Parce que quand ça arrange les personnes qui sont au pouvoir, il n'y a rien à dire. Mais quand ce sont des informations qui peuvent ouvrir les yeux de la population sur des malversations, sur des cas de corruption, on combat tout de suite les médias. Comment les médias peuvent être au centre du développement? Malheureusement, c'est principalement les États qui doivent pouvoir libérer les médias. Et donner la place Donner la place aux médias. Malheureusement, c'est principalement les États qui doivent permettre aux journalistes de faire le travail. Auquel cas, les journalistes ne peuvent pas. Un journaliste, c'est un travailleur. Il travaille dans un média privé, un média public. Il faut que nos États aient le courage de libérer l'espace public. Et en libérant l'espace public, ça entraîne le développement. Pourquoi? Parce que ça permet aux médias d'aider à combattre la corruption, par exemple. Le phénomène de la corruption. Si un candidat à la corruption sait qu'il s'expose aux critiques des médias en le faisant, il va réfléchir par deux fois, voyez-vous. D'accord. Parlons un peu de la responsabilité des journalistes eux-mêmes pour être suffisamment professionnels, parce qu'ils ne sont pas aussi sans reproche. Oui, tout à fait. Vous savez, le problème est profond. Je ramène toujours à l'État. Comment voulez-vous que aujourd'hui nous nous sommes battus pour que le journaliste soit payé à la convention? La convention, ça va tourner autour de 300 000 francs. Voyez-vous, quand un journaliste est payé en moyenne à ce montant, et que nous savons aujourd'hui, une trois pièces, même à la périphérie d'Abidjan, va graviter autour de 120 000, 150 000, sans compter les factures à payer. Voici, ce monsieur, il est vulnérable. Il n'est pas à l'abri des besoins. Et donc, il est facilement impressionnable. Il est à la merci des hommes politiques, de grands groupes d'intérêts qui sont puissants, financièrement parlant. D'accord. Donc vous voyez que combien de fois un tel monsieur ne peut pas toujours avoir le courage de sa conviction quand il s'agit de dénoncer des faits graves tels que des cas de corruption, des cas de malversation. D'accord, ou bien de violation des droits humains. Avec toutes ces réalités qui sont décrites, il y a beaucoup d'organisations, de journalistes qui existent, même au plan africain, en Côte d'Ivoire, et là vous êtes responsable aussi d'une organisation à la plus faible échelle. Comment est-ce que vous prenez à bras le corps ce genre d'initiative, ce genre de problème, et comment est-ce que vous les traitez? Merci, Ouma. Nous nous sommes dit que finalement il va falloir que nous nous organisions en tant que journalistes pour pouvoir faire face à tous ces défis. L'État fait beaucoup d'efforts. Je rappelle au passage qu'on occupait la 101e place, je crois, en 2014. Aujourd'hui, on a la 37e place. C'est des efforts, mais beaucoup reste à faire. Donc, il va falloir que nous-mêmes, journalistes, nous puissions nous réunir, nous rassembler. C'est d'ailleurs pour ça que nous plaidons pour les états généraux de la presse, qui nous permet, entre nos journalistes et professionnels des médias, de faire l'état des lieux et d'envisager des voies de sortie, des voies de survie. Des solutions durables. Voilà, des solutions durables. Donc nous envisageons par exemple ce que nous appelons les états généraux de la presse. Et il y a aussi que nous souhaitons que le plaidoyer de l'Union nationale des journalistes, l'UNGCI, d'avoir 0,01% du budget, ce qui va faire environ 8 milliards de francs CFA par an, injectés dans le milieu des milliards, va servir à sauver l'écosystème de la presse. Évidemment, à l'intérieur, les solutions ne doivent pas venir seulement de l'extérieur. À l'intérieur, nous, journalistes, on doit également changer de paradigme, parce qu'il est assez courant qu'on soit souvent adossé à des partis politiques.
qu'on mélange souvent les gens et qu'on mélange les faits et l'opinion, ce n'est pas de nature à nous rendre viables. Donc, évidemment, des solutions doivent venir de l'extérieur, mais de l'intérieur également. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire aussi. En attendant que les réflexions se mènent et continuent de se mener pour trouver les solutions, nous allons mettre un terme à cette émission. C'est la fin de cette émission. Dangui Dangui, nous avons eu le plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter et président de l'UJPC, qui est l'Union des journalistes et professionnels de la communication de la commune de Yopougon. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Et au moins, c'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.